Nous arrivons dans la belle technologie humaine. Comme vous voyez, la végétation est partie ici. Bien passé les lignes d'Hydro-Québec. Donc ça vient des barrages hydroélectriques en amont, à la côte nord. Voilà, encore sous les lignes. On va laisser les câbles pour les tyroliennes. C'est plus amusant. Wouh! Ouais. Sans commentaire. Non, c'est quand même plus joli sans les fils. Je me demande si c'est pas une baleine qu'on voit en bas là. Noire. Devenir chasseur de phoques. Chasseur au sens observateur de phoques. Ça va les chasser, mais ils regardent. Apparemment, il n'y en a pas aussi. Bon. Je viens de là. Alors, nous voici la lance à la passe-pierre. On se découvre le spectacle. Waouh! Et le soleil vient de faire son apparition. C'est vrai que c'est un type de kayak ici. Je comprends pourquoi maintenant. Je ne me retournerai pas parce que ce sera contre-jour. Je pense que... c'est merveilleux. Merveilleux. Oh, un phoque! Un phoque, les amis! Vous voyez là sur le rocher? Je m'en approche. Oh, regardez! Hop! Ah, bah dis donc, en direct! Ah. Bon! Voilà, à gauche. Là, ici. Beau petit drapeau québécois. Eh, ça a l'air beau tout ça. Alors c'est face à la pierre, hein. Il y a un camping, donc c'est assez beau comme camping là. Waouh, de toute beauté. Là-bas, j'ai vu le froc en fait. Ouais. L'avantage quand il n'y a pas de soleil, c'est qu'il n'y a pas de contre-jour. Bonjour!
peu en escalier de bois de pointe à la Passe-Pierre. Nous voici à nouveau au sommet. Les parois au-dessus du fjord du Saguenay. Vous pouvez voir, c'est assez sympathique. Je crois que j'ai fait un bivouac là-bas. Waouh! J'ai vu, mais il y a un phoque en bas. Là, il vient de plonger. Il y en a un autre qui vient d'apparaître, là, une petite tête. Voilà, il y en a deux en fait. Et hop! J'essaie de les avoir au... Juste pour la beauté des lichens. Je suis toujours à... avant l'entreuse. Le sentier toujours aussi coloré. Mais les montées sont moins importantes que du côté de Tadoussac. C'est plus soft, on va dire. Donc, ça veut dire que je risque d'être dans mes temps. Encore nos lichens. Wouh! Oh oh! Petit point de vue! Non! Avance, avance! Dans ma thématique lichen. Je trouve ça tellement beau que j'en fais une séquence. Une séquence qui dure. Ça sent bien, je m'en lasse pas. Cet émerveillement de tous les instants. Le refuge de l'Anse Creuse. Donc les gens sont partis, les autres sont pas encore arrivés. Ce qui fait que il n'y a personne dans le refuge. Est-ce que c'est fermé? Ah non. Oh. Donc voilà, couchette là. Couchette là. Couchette. Couchette. Pareil. Pareil. Et voilà aussi. Voilà. Et après, nous allons donc le poêle à bois. Puis voilà. Le petit panorama sympa là. Hop. C'est pas beau ça? Un petit balcon de même. Donc voilà, l'Anse Creuse.
Voilà. Le refuge de Lance Creuse.